J'espère que vous m'entendez tous. Permettez-moi, j'ai carrément monté le micro, ce sera plus simple. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre salon d'honneur. Vous dire que comme à chaque fois, depuis quelques temps maintenant, la séance est filmée. Et pour commencer, je souhaiterais qu'on rende hommage à nos trois agents qui sont décédés depuis quelques mois, depuis les six derniers mois. Permettez-moi d'abord d'exprimer toutes mes condoléances et tout mon soutien aux différentes familles. Donc je vais les citer. Jérôme Barra, décédé le 20 juin dernier à l'âge de 44 ans. Sébastien Binet, décédé le 2 juin dernier à l'âge de 51 ans. Et Isabelle Cordier, décédée au mois de décembre dernier, pour qui aussi j'ai une pensée. Tous reconnus au sein de la collectivité pour leur travail, leur loyauté et leur engagement. Et j'aimerais qu'on fasse une minute de silence. Je vais commencer par faire l'appel. Patrick Floquet. Présent. Nicole Charon. Présente. Alexandre Chopinez. Présent. Sylvie Vincent. Présente. Daniel Gornet. Présent. Isabelle Boissel. Présente. Christian Grégoire. Présent. Madame Fabienne Picard. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présente. Monsieur Jackie Canepa. Présent. Monsieur André Auchan. Présent. Madame Denise Maire, présent. Madame Véronique Grossier, présent. Monsieur Francis Marquis, présent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier, présent. Monsieur Thierry Lezinski, excusé à donner procuration à Monsieur André Auchan, Madame Ghislaine Cossin, présent. Madame Dany Bailly, présent. Monsieur Olivier Simonin, présent. Monsieur Valentin Vassallo, présent. Madame Charline Lehmann, présent. Monsieur Joël Grosjean, Madame Marie Zratier, présent. Monsieur Éric Lamontre, Madame Dominique Alboussière, présent. Monsieur Bernard Novian, présent. Monsieur Didier Forquignon, présent. Madame Marie-Laurence Zeil est excusée et a donné procuration à Monsieur Didier Forquignon. Je vous remercie. Y a-t-il un secrétaire de séance dévoué? Daniel Gornet. Daniel Gornet est donc désigné à l'unanimité secrétaire de séance. Sans transition, 22 points ce soir sur la gestion communale au sens large avec des avancées notamment sur les volets des GTI et des forages et des points, je dirais, plus classiques. Je tiens à vous préciser également que le prochain conseil municipal est fixé le 7 juillet sur la délégation des services publics des termes et le fameux choix du délégataire qui a été entériné par notre commission dernièrement. Mais avant de commencer, et après ces instants, je dirais graves, de début de séance, j'aimerais aussi féliciter de manière plus positive Jean-Jacques Gauthier pour sa réélection au Palais Bourbon en tant que député des Vosges, un homme d'une grande expérience, une valeur ajoutée pour notre territoire et les projets qui vont se développer. Bravo à lui et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci. Sans transition, point numéro 1, l'approbation du compte-rendu de la séance du 24 mars 2022. Y a-t-il des remarques ou des observations? Pas de remarques, pas d'observations. On l'acte. Qui est contre?
Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 2 qui concerne les finances avec Vitel Horizon 2030, le pôle public et la création d'un budget annexe. Et je donne la parole à M. Patrick Floquet. Merci Monsieur le Maire. Oui, cette délibération a pour objet de créer donc un budget annexe au budget général. Je vous rappelle, je n'ai pas besoin d'ailleurs de vous le rappeler, que par délibération du 24 février dernier, le conseil municipal avait approuvé l'acquisition d'un ensemble immobilier dans le parc thermal qui ont été nommé pôle public, composé du petit théâtre Garnier, pardon, de l'ex-casino et du Vitel Palace, ainsi que tout ou partie du foncier non bâti qui correspond à ces bâtiments. Dans le cadre du projet Vitel Horizon 2030. Pour mémoire, l'achat qui avait été réalisé, enfin, qui va être réalisé plus exactement, devrait être réalisé donc en indivision avec la région Grand Est d'une part, le département des Vosges et bien sûr la ville de Vitel pour un montant total de 5,4 millions d'euros. Évidemment, donc le département 2 millions, la ville 2 millions et 1,4 million pour la région compte tenu du financement qu'elle apporte de son côté dans ce qu'on appelle le pôle privé. Donc l'objet de cette délibération est simplement de pouvoir acter la création d'un budget annexe qui va permettre de gérer tout simplement ces bâtiments en termes de fonctionnement. Ce budget annexe sera complété d'une prévision budgétaire prévisionnelle qui sera soumise probablement au conseil de septembre. Et donc là, par cette délibération, on acte simplement la création du budget annexe et on précise que ce budget annexe respectera la nomenclature M14 et sera rattaché au budget général. À titre de précision également, on a fait des recherches et on a demandé l'autorisation évidemment des services fiscaux de savoir s'il valait mieux faire un budget annexe, une régie ou toute autre forme juridique. Et la meilleure des formes pour l'instant, c'est de garder ces fonctionnements en budget annexe. Notez également qu'il est acté pour l'instant, que ce sera normalement prévu dans le texte de la convention d'indivision qui liera la région, le département et la ville, que c'est la ville qui sera la structure porteuse, d'où la création de ce budget annexe, mais que les deux autres collectivités, région et département, vont s'engager dans le cadre de la convention d'indivision à recevoir des factures de notre part de façon trimestrielle pour pouvoir effectivement participer, elle aussi, au fonctionnement de ce pôle public. Savoir également que pour abonder en première intention ce budget, une avance de 50% du budget prévisionnel sera demandée à ces dites collectivités pour pouvoir commencer à payer les premières factures. Alors évidemment, eau, gaz, électricité, chauffage, maintenance, divers et variés. Enfin voilà, tout ce qui concourt au fonctionnement de ces trois bâtiments. Voilà, mais là pour l'instant on crée simplement ce budget annexe pour nous permettre de l'immatriculer, de rentrer dans les procédures administratives avant de vous proposer, comme je vous le disais, un budget prévisionnel au prochain budget de septembre. Voilà, Monsieur le Maire, ce que je pouvais vous dire sur ce budget annexe. Merci Patrick. Y a-t-il des remarques ou des observations ou des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Forquignon. Oui, bonsoir. Comme le Monsieur Floquet disait au début qu'il était acquis, bon, pas encore, mais qu'on allait l'acquérir. Oui. Qu'est-ce qui a retardé la signature des actes? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, il n'y a pas de retard particulier. Simplement, le protocole d'accord qui a été signé par les différents protagonistes prévoit une signature au 31 août. Petit 1. Donc, c'est voilà. Il y a concomitamment à cet accord global général pour l'ensemble, pour le public et pour le privé, parce que je vous rappelle que ces deux opérations doivent être signées en même temps. Dans le côté pôle privé, il y a une interaction indirecte avec la DSP des termes qu'on va vous proposer de voter le 7 juillet prochain. D'accord ? Or, pour que toute cette opération au niveau juridique et administratif soit sécurisée, il faut purger les délais de recours liés à cette DSP des termes. Les délais de recours sont de 2 mois. 2 mois à partir du 7 juillet, ça fait atterrir aux alentours du début septembre, donc aux alentours du 6, 7, 8 septembre, date probable de la signature globale de l'ensemble des protagonistes, bien sûr, puisque, comme je le disais tout de suite, la signature doit être concomitante pour le pôle public et le pôle privé. C'est la condition qu'a mis le vendeur, en l'occurrence la société Rolaco. Mais il n'y a pas de retard, c'est simplement un déroulement normal, on va dire, de ce qui était prévu dans le protocole d'accord. Alors évidemment, le protocole d'accord initial avait été fixé sur le 31 mars, mais pour des raisons, mais là qui regardent le pôle privé, le protocole d'accord a été prolongé jusqu'au 31 août, donc on est dans le timing normal, on va dire.
de ce protocole d'accord. Alors, en rajoutant que ces points ont été abordés en commission, lors de deux commissions, puisque le travail a été fait en commission, commission tourisme et finances. Voilà. D'autres remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité et je vous en remercie. Vie associative et je donne la parole à Nicole Charron. Merci. En préambule, je vous rappelle que le budget vie associative avait vu son montant diminuer de 30% pour l'exercice 2021 suite à la pandémie du Covid-19. Ce budget pour 2022 est en hausse de 15% par rapport à 2021, soit environ moins 15% par rapport aux années 2019 et 2020. Alors, ceci dit, dans le cadre de leurs activités, certaines associations ont sollicité une aide financière pour 2022 en joignant à leur demande un dossier retraçant leurs activités et leurs sources de financement. Au vu des dossiers reçus ce jour et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt communal et sur proposition des commissions vie associative et vie sportive réunies le 19 mai, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention aux associations suivantes. Alors tout d'abord à l'association patriotique, l'amicale des titulaires de la médaille militaire de Vittel, contrée civile Bunéville environ, 205 euros. Association à caractère culturel et touristique, Anime ta nature, 4250. Chorale Aquasong, 1275. Maison du patrimoine, 3825. Confrérie des toasts cuisses de grenouille, 750. Harmonie municipale, 9000. Les associations à caractère social, Vital en rose, 500. L'association départementale des conjoints survivants et parents d'orphelins des Vosges, 210. Adavi, 350. Associations diverses, alors la liste indépendante des parents d'élèves, la LIP, 150. La Vigie de l'eau, 15 300 euros. Et je passe la parole à mon collègue Alexandre pour les subventions sportives. Merci Nicole. Donc en ce qui concerne les associations sportives, les enveloppes ont été réparties comme suit, donc 66 764 euros pour les clubs vitellois, dont 22 254,11 euros de mise à disposition d'éducateurs sportifs et 27 200 euros pour les clubs dits intercommunaux, donc le basket club thermal, le football, enfin le BCV, le cyclisme, terre d'eau, c'est la course d'orientation, et la flèche thermale pour le tir à l'arc, dont 274,95 euros de mise à disposition d'un éducateur sportif, c'est sur le basket. Donc au vu des dossiers, même chose que pour les autres associations, et compte tenu de la nature des projets présentant un réel intérêt communal et après avis favorable des commissions vie associative et vie sportive réunies le 19 mai, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention aux associations suivantes. Pour l'Aragonite, 400 euros. Pour l'athlétisme, 4000 euros. Pour la boule vitelloise, 800 euros. Pour l'escrime, 7 893 euros. Pour la gymnastique, 2 568 euros, disons 14 632 euros de mise à disposition de personnel. Le judo, zéro, mais ils ont tout sur la mise à disposition de personnel. Le karaté club, 485 euros. La natation, 2000 euros. La pétanque, 800 euros. Le rugby, 7 500 euros. Le tennis, 5 900 euros. Le tir sportif, le tennis, 5 900 euros. Le tennis de table, 3 800, c'est celui-là que j'avais oublié, pardon. 864 euros pour le tir sportif, 7 500 pour le triathlon, 1 400 pour le cyclisme. L'orientation, terre d'eau, 800 euros. Le basket club thermal, 9 725, dont 274,95 euros de mise à disposition. Le football, 14 000 euros. Et la flèche thermale, tir à l'arc, 1 000 euros. Alors, je vais simplement, on va couper, ce sera peut-être plus simple, puisqu'on est sur les subventions dites, entre guillemets, de fonctionnement.
Je rappelle deux, trois petites choses. Première chose, certes, comme vous savez, on avait baissé les subventions suite à la crise Covid. Donc vous avez expliqué que financièrement, tout ce qui s'était passé avec les impacts sur les recettes de la ville, hein, 2 millions pour mémoire de pertes à l'époque, avec une compensation d'État de 600 000 euros à méditer. Donc on était parti du principe qu'il fallait revoir la voilure. Premier point, il y a eu beaucoup de manifestations exceptionnelles qui n'ont pas été faites, d'où aussi cette baisse d'enveloppe de l'enveloppe entre guillemets par rapport aux associations, aux subventions des associations. Mais il faut vous dire aussi un autre truc, c'est que cette année on l'a augmenté de 15, et l'an prochain, si tout va bien et qu'il n'y a pas de crise Covid et de fermeture à outrance, on sera sur les mêmes niveaux qu'il y a 2 ans. C'est important de le dire dès ce soir, de flécher les choses. Je rappelle aussi, et Alexandre l'a bien expliqué, c'est que sur la partie sportive, c'est vraiment lié à la charte des sports, c'est pas où doit mouiller. Vous avez fait un travail en commission, il me semble, où vous étiez tous présents, où vous avez validé ces différentes subventions, qu'elles soient intercommunales ou communales. Et voilà, il y a différents critères, des critères dits objectifs, les titres, la participation par exemple aux manifestations de la ville, l'implication dans l'animation de la ville, il y a le caractère social, il y a plein de critères qui sont importants, et c'est pas fait de manière, je dirais, cavalière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions-là? Vous voulez qu'on vote globalement ou qu'on prenne une à une? Oui, Marie, ça serait bien que tu sortes. Ainsi que Francis. On les prend un à un ou on vote globalement? On vote globalement. Alors, pour le premier volet qui concerne Adavi, associations diverses, LIP et Vigie de l'eau, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour les subventions dites intercommunales qui concernent, alors on les a mis à la fois le BCV, le BCT, la flèche thermale, terre d'eau, le cyclisme, qui est contre, qui s'abstient. Pour les autres associations dites sportives communales, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Vote à l'unanimité. Nicole, tu peux poursuivre. Ou Alexandre, je ne sais pas. Je vais juste faire la première, puisque en subvention exceptionnelle, association Vitatis Fending Academy, donc c'est pour de l'escrime. Donc pour sa 16e année consécutive, le CPO accueille cette association qui est partenaire du club d'escrime de Vittel. Les meilleurs épéistes français de la discipline dans les catégories jeunes sont présents chaque été et cette année du 24 juillet au 7 août. Et ces stages sont internationalisés depuis quelques années grâce aux efforts de communication. Et ils sont ouverts également aux pays de l'Est et notamment l'Ukraine, qui est un gros pourvoyeur justement de jeunes pour les différents championnats européens et internationaux. Et donc il y a 3 tireurs ukrainiens qui ont fui leur pays dû au conflit et qui doivent être accueillis et pris en charge par des familles d'accueil en France et même en Europe plus généralement, et qui doivent participer à ces stages, et il faut qu'ils puissent le financer. Et il est proposé d'attribuer une aide à l'association exceptionnelle de 250 euros par tireur ukrainien pour qu'ils puissent participer au stage, sachant que c'est de la retombée directe pour Vittel, puisque ça, c'est directement pour le Vita. Voilà. Merci Alexandre. Donc on est bien d'accord que ça concerne uniquement les tireurs ukrainiens et pas le reste du collectif. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je pense que Nicole, tu vas reprendre sur Vittel Ta Nature. L'association Anime Ta Nature, qui est une nouvelle association qui a été créée en 2021, va organiser les 2, 3 et 4 septembre la 3e édition du Festival de la Forêt Fantastique. Lors des 2 premières éditions, l'association, les 2 premières éditions, l'association souhaite promouvoir avant tout la découverte d'un lieu spécial au cœur de la forêt vosgienne où l'homme et la nature s'activent et évoluent ensemble. Les dépenses prévisionnelles de cette manifestation sont estimées à ce jour à 5 873 euros. Il est proposé d'attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 10% des dépenses avec un maximum de 900 euros
versée bien évidemment après réception du bilan financier. Dominique, tu peux sortir. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au vote concernant celle-ci. Donc vous marquez bien que Dominique Alboussière ne participe pas au débat, ne prend pas pas au vote. C'est pareil pour les deux autres d'avant. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Association Les Aînés du Petit Banc et Dominique pour venir. Dominique ? Alors nous avons également été sollicités par les aînés du Petit Banc dans le cadre d'une exposition photographique « Faune, flore, paysage d'ici ou d'ailleurs » qu'ils organisent du 15 juin au 29 septembre dans le parc de l'EHPAD du Petit Banc. Le coût global du projet s'élève à 1 014,83 €, dont 648 € de prestations photographiques et 366,83 € de matériel d'exposition. Afin de financer ce projet, il est proposé d'attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 300 €. Merci Nicole. Donc c'est les photos de Madame Tomaselli, hein, pour ne pas la citer. Et donc il y a une subvention qui est à l'Association des aînés du Petit Banc par rapport aux photos qui ont été prises. Y a-t-il des questions ? Des observations ? Je vous remercie. Point suivant qui concerne la coopérative de l'école du Petit Banc, maternelle du Petit Banc. Alors dans le cadre de son projet d'école, l'école maternelle du Petit Banc de Vittel organise sur l'année scolaire 21-22 un projet autour du cirque. L'objectif général de ce projet est de permettre aux élèves de travailler les compétences des programmes de manière ludique. La direction a pris contact avec l'école du Nez Rouge de Saint-Dié-des-Vosges, spécialisée dans le domaine, qui aidera l'école maternelle du Petit Banc à monter un spectacle avec les enfants à destination des familles. Le coût global du projet s'élève à 3 036 €, dont 1 803 € à l'école des Nez Rouges, 920 € de transport à Saint-Dié-des-Vosges et 313 € de restitution du spectacle. Le financement de ce projet est réparti entre la coopérative de l'école, les ventes de produits et la commune de Vittel. Une aide destinée à financer le transport des élèves jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges est sollicitée à hauteur de 450 €. Merci. Donc après avis de la commission vie associative réunie, avis favorable, réunie le 19 mai 2022, il est demandé au conseil municipal de décider d'attribuer, si vous en êtes d'accord, cette subvention exceptionnelle à cette association. Y a-t-il des remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et on passe au volet 4 avec le sport et la convention de partenariat d'objectifs et de moyens pour l'organisation des manifestations sportives 2022. Alexandre ? Oui, merci Monsieur le Maire. Donc la ville de Vittel, comme chaque année, souhaite accompagner les organisateurs de manifestations qui apportent un rayonnement et une plus-value pour la commune et ses acteurs économiques. Et cette année, c'est le cas pour trois manifestations, donc après étude des dossiers de demande d'accompagnement, pour faire valoir les droits et les devoirs de chacun, il a été décidé de contractualiser et passer une convention avec. Donc il y a deux événements qui ont déjà eu lieu, donc les foulées vitelloises que vous avez pu voir dans le parc thermal le 11 juin dernier, organisé par la SRV Athlétisme. Il est décidé d'attribuer 1 500 € maximum sur la présentation des dépenses réellement effectuées. Pour toute la saison équestre également, avec les championnats de France Master Pro, pareil, qui a déjà eu lieu le week-end, enfin, du 16 au 19 au 19 juin, par l'association Vittel Grand Prix Équitation, mais c'est pour pour toutes leurs organisations, ça va du dressage, des concours de dressage, des concours de saut, les concours poney, enfin, voilà, surtout le Trophée des Rois, sur toute l'année, on passe une convention avec eux pour une somme maximum de 30 000 €. Et puis ce qui reste à venir, un championnat de France de cyclisme les 16 et 17 septembre, organisé par l'association ATSCAF DDFIP,
pour un montant de 2000 euros, sur présentation évidemment des dépenses réelles effectuées. Voilà, monsieur le maire. Merci Alexandre. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Et je vais passer la parole à madame Ghislaine Cossin concernant le point 5 et les institutions et l'adhésion à l'association MDJC. C'est Nicole ? Alors, créé en 2017. Créée en 2017, cette association a pour objectif de promouvoir les villes et villages où il fait bon vivre. L'association publie chaque année un palmarès évaluant ainsi... C'est le point 6, on est au point 5. Donc c'est madame Cossin qui doit prendre la main. Non, non. Donc chaque année, le centre de loisirs municipal organise des mini-camps pendant la période estivale. Pour 2022, il est prévu que les enfants et leurs accompagnateurs occupent en gestion le chalet de la Braille situé à Cornimont lors des périodes suivantes. Donc une semaine au mois de juillet, donc du 19 au 21, du 26 au 28, ainsi qu'une semaine au mois d'août, du 9 au 11. Afin de mettre en œuvre ces journées, la ville de Vittel doit signer une convention d'occupation des locaux et souscrire une adhésion auprès de l'association MDJC, 6, 12 rue Église de Hayange à Magrich. Le montant de la cotisation s'élève à 35 euros. Donc, compte tenu de l'intérêt pour la Ligue d'adhérer à cette association et après avis favorable de la commission qui s'est réunie le 23 juin 2022. Voilà. Est-ce que le conseil est appelé à prendre position par rapport à ces délibérations ? Y a-t-il déjà des remarques ou des observations ? Enfin, pour 35 euros, je pense que, annuellement, je pense que ça ne va pas faire un grand débat. Voilà. Pas de remarques ? On passe au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et je redonne la parole à madame Charron concernant l'adhésion au label Ville et Village où il fait bon vivre. Alors, cette association a été créée en 2017 et elle a pour objectif de promouvoir les villes et villages où il fait bon vivre. L'association publie chaque année un palmarès évaluant ainsi chacune des 34 827 communes de France métropolitaine. Ce palmarès est basé sur des données exclusives avec 183 critères provenant pour l'essentiel de l'INSEE sur trois dimensions, immobilière, touristique et économique. Au palmarès 2022, la ville de Vittel est classée 1799e au niveau national, donc sur les 34 827 communes, 182e au niveau national dans la strate 3500-5000 habitants, 10e au niveau départemental sans distinction de strate et première au niveau départemental dans la strate 3500-5000 habitants. Ces bons résultats démontrent la qualité de vie de notre ville pour les touristes, mais également pour les habitants et permettent à Vittel de profiter de ce label devenu une référence en matière d'attractivité territoriale. Ce label pourra être exploité dans la stratégie de communication de la ville et de l'Office de tourisme. Notre ville, distinguée, peut exploiter ce label pour une durée de 3 ans. Coût pour par an, 900 euros hors taxe, soit 1080 TTC. Merci Nicole. Y a-t-il des observations ? Bon, l'objectif, évidemment, c'est de prendre attache après ces professionnels qui font aussi des études par rapport aux... Enfin, c'est se comparer déjà par rapport aux autres villes et essayer d'améliorer encore notre classement. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, je vous remercie. Je laisse la parole à Nicole Charron concernant une actualisation des dispositifs, des dispositions relatives à la taxe de séjour. Alors, un petit peu d'histoire. La ville de Vittel a institué une taxe de séjour en 1959, soit depuis son classement en station hydrominérale. Cette taxe de séjour a été mise à jour par les délibérations de 1984, de 2004, de 2015 et la dernière en date de 2018. Ont été actualisées en même temps les dispositions sur la perception, les tarifs, les cas d'exonération et les périodes de déclaration et de versement. Alors, ce qu'il faut savoir sur la taxe de séjour,
Elle est payée par le visiteur et non par l'hébergeur. Cette taxe est due par les personnes hébergées à titre onéreux et non domiciliées sur le territoire de l'hôtel. Elle est applicable à toutes les natures et catégories d'hébergement proposées sur la commune, hôtels de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, chambres d'hôtes, terrains de camping, etc. À Vittel, la taxe de séjour est perçue au réel. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements. Le montant dû par chaque touriste est égal au tarif fixé en fonction de la catégorie d'hébergement multiplié par le nombre de nuitées et de personnes. La deuxième possibilité pour le prélèvement de cette taxe, c'est le prélèvement forfaitaire qui se calcule notamment par rapport au classement et au nombre de chambres. Bon, ce n'est pas... c'est moins évident pour les propriétaires. Alors, sont exemptés du versement de cette taxe les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé sur Vittel, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un logement temporaire, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1 euro par nuit et par personne. La taxe de séjour sur Vittel est perçue du 1er janvier au 31 décembre. Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées accueillies dans leur établissement. Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par Internet sur la plateforme mise en place par la ville depuis janvier 2021. Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique de la ville au travers du financement de l'Office de tourisme. Alors, les tarifs qui sont proposés pour, à partir du 1er janvier 2023, pour les palaces, 2 euros contre 1,82 euros, hôtel de tourisme 5 étoiles, ainsi que les résidences de tourisme, etc., 1,82 contre 1,45. Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme, etc., 1,50 € contre 1,18 €. On ne change pas pour les 3 étoiles, c'est toujours 1 €. Pour les hôtels de tourisme 2 étoiles, ou les meublés de tourisme d'ailleurs, 0,85 contre 0,82 €. Pour les 1 étoile, 0,75 contre 0,55 €. Pour les terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles, dont celui de Vittel par exemple, 0,55 contre 0,45. Et pour les terrains de camping 1 et 2 étoiles, 0,20. Donc le tarif reste identique. Nous avons, alors pour établir ces nouveaux tarifs, nous nous sommes basés sur les tarifs de Gérardmer et de la Bresse, qui sont deux exemples de stations touristiques vosgiennes. Voilà. Ok, donc vous avez compris en fait qu'il a fallu dépoussiérer entre guillemets cette délibération qui datait, je crois que la dernière réforme générale elle datait, que je ne dise pas de bêtises, de 2004. Donc il a fallu, mais général, hein, parce qu'après c'était des ajustements, donc il a fallu un petit peu s'adapter à ce qui se passait autour de nous et essayer de d'être coller à la réalité. Donc vous avez remarqué aussi que tout ce qui est entre guillemets des prestations hôtelières modestes, les variations sont pas importantes et que on va plutôt chercher sur des prestations un peu plus élevées, 4 étoiles ou 3 étoiles. Voilà. Ce qui est conforme à la moyenne nationale, c'est important de le dire. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc après avis favorable de la commission, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne la commande publique, un groupement de commandes, et je vais le faire, c'est concernant l'achat d'énergie. Sujet d'actualité, hein, comme vous le savez, puisque l'énergie est un facteur exponentielle en termes d'augmentation actuellement. Donc l'objectif, c'est de se regrouper avec plusieurs communes. Alors je ne vous lis pas la délib, hein, c'est ce que ça veut dire. C'est un truc qui est classique, hein, on l'a déjà passé l'an dernier. Et l'objectif, en fait, c'est de se grouper pour commander d'énergie, notamment l'achat avec le Grand Nancy, pour avoir des volumes intéressants sur l'électricité et le gaz naturel. Donc vous avez les différents
comment dire, intitulé pour les partenaires de situés hors du périmètre de l'agglomération de Nancy et les autres, donc 0,5 par mégawattheure et 0,4 pour ceux qui font partie du Grand Nancy. Vous avez aussi une perception de la part du Grand Nancy d'une commission, ce qui est normal, qui n'est pas élevée. Globalement, l'objectif, c'est vraiment de se mettre ensemble pour essayer d'avoir les prix les plus compétitifs par rapport à ces fluides-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne des cessions de parcelles avec le quartier des Collines à la tranche numéro 3. Trois parcelles. Il y en a pour un peu plus de 100 000 euros quand même. Donc, ce qui prouve bien que ce quartier des Collines, André Auchan qui le suit, le sait très bien. Ça ne marche pas si mal que ça. D'ailleurs, il y a une réflexion à avoir, comme vous savez, d'où la commission qui a été mise en place pour justement savoir ce qu'on va faire. Voilà, que vous ferez des propositions certainement courant septembre pour essayer, ou fin septembre, en la réunissant une nouvelle fois pour essayer de voir comment on peut faire pour prévoir l'avenir, sachant qu'il ne reste plus que 5 parcelles disponibles à cet endroit-là et que ça commence un petit peu à klaxonner. Donc il y a 3 dossiers là, monsieur Georges Bruzet et madame Domitil Munier, monsieur Dorian Blaise et madame Juliette Leclerc et enfin madame Laurence Maréchal, pour 3 parcelles situées sur le quartier des Collines. Donc le prix de cession n'a pas changé, on est autour de 31,77 euros hors taxe, et donc il est proposé à la collectivité d'accepter en fait les propositions et les cessions de ces parcelles pour les personnes attitrées, à savoir le lot numéro 41 pour M. Georges Breuset et Mme Domitil Munier, le lot 19 pour M. Dorian Blaise et Mme Juliette Leclerc, et le lot 16 pour Madame Laurence Maréchal. Est-ce qu'il y a-t-il des questions ? Y a-t-il des questions par rapport à ça déjà ? Non ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Parole à Monsieur Vassallo concernant les affaires scolaires et la modification du règlement intérieur des activités périscolaires et extra-scolaires. Valentin, quand tu reviendras à ta place, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Donc, oui, effectivement, c'est un point assez classique lorsqu'on trouve nécessaire de modifier le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires. En l'occurrence, là, il y a, je crois, 2 points qui concernent le périscolaire et 2 points plutôt le CLSH, donc ça aurait pu être aussi bien Ghislaine que moi. Donc, voilà, il y a des petites précisions qu'on veut apporter concernant la propreté de l'enfant, suite à un constat que voilà, les parents mettaient leurs enfants dans les activités périscolaires alors qu'ils n'étaient pas forcément propres. C'est de plus en plus le cas. Et donc, voilà, on va préciser ça dans le règlement en disant qu'il faut que l'enfant soit propre. Un point notamment aussi suite aux absences d'enseignants. Malheureusement, c'est de plus en plus souvent le cas. Les enseignants ne sont pas au plus remplacés par l'éducation nationale. Donc ça, de fait, ce n'est pas la faute des parents. Donc on ne veut pas facturer aux parents le fait qu'un prof soit absent. Donc voilà, ça fait partie voilà, des motifs dérogatoires, donc on ne facturera plus les parents. Voilà, grosso modo, sinon c'est l'ajout d'un tarif complémentaire pour le centre de loisirs. Dans tous les cas, vous avez reçu le règlement en annexe, et la commission enfance du 23 juin a émis un avis favorable. Voilà, monsieur le maire. Merci Valentin, y a-t-il des remarques ou des observations ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Toujours Valentin Vassallo et concernant les frais de fonctionnement des écoles, point important, et c'est pas neutre dans les finances de la ville, notamment sur le coût réel moyen. Allez. Oui, merci monsieur le maire. Oui, effectivement, comme monsieur le maire vient de l'indiquer, Vittel assume de façon beaucoup de charges de centralité, et notamment là, sur le domaine éducatif. Donc vous avez le coût réel moyen par élève qui est calculé tous les ans. Donc à savoir, là pour 2021, on estime qu'un enfant de maternelle, alors j'aime pas forcément le terme, mais a coûté 2593 euros en moyenne, alors qu'un enfant en élémentaire a coûté 1223 euros à la collectivité. Sachant que l'année dernière, on facturait aux communes extérieures qui envoyaient leurs enfants dans nos écoles 1090 euros pour un maternel et 765 euros pour un élémentaire,
On vous propose d'augmenter ce tarif pour passer à 1 365 € pour un enfant de maternelle et 955 € pour un élémentaire. Donc vous voyez, il y a le pourcentage. En fait, on facture grosso modo 50% aux communes extérieures un enfant maternel et 78% un enfant élémentaire. Et la commission a émis aussi un avis favorable le 23 juin dernier. Y a-t-il des observations ou des remarques? Pas d'observation, pas de remarque, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, vote à l'unanimité. Point suivant qui concerne les RH et avec les modifications des tableaux des effectifs. Parole à M. Floquet. Oui, merci M. le maire. Simplement des petites modifications traditionnelles, on va dire, de l'année. Au 1er juillet 2022, donc deux modifications. La création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à 20 h, ou d'un poste d'assistant artistique principal de deuxième classe, ou d'un poste d'assistant d'enseignement artistique de première classe. Et c'est les trois possibilités parce qu'on ne connaît pas encore le poste de la personne qui pourrait postuler. Ce poste à vocation donc aller à l'école de musique en remplacement d'une personne qui part en retraite très prochainement et qui occupait antérieurement son poste sur un statut de vacataire. Là, on l'ouvre à la fonction publique. Et donc, comme on ne connaît pas encore le profil de la personne, on ouvre les trois possibilités de poste. C'est la première modification. La deuxième modification, c'est la création d'un poste d'adjoint administratif à 35 h et collatéralement la suppression d'un agent administratif principal de première classe à 35 h. Là, il s'agit de nommer quelqu'un au service des ressources humaines, sachant qu'une personne des ressources humaines est allée remplacer quelqu'un qui est parti en retraite il y a déjà un petit moment au service enfance éducation par mobilité interne. La commission ressources humaines, le comité technique ont émis un avis favorable à l'unanimité quand elles ont été consultées le 28 juin. Merci Patrick. Y a-t-il des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Parole est toujours à Patrick concernant le RIFSET. Non, c'est la ressources humaines mise à disposition du personnel, ah, oui, société publique locale, destination vitelle, contrat civil. Il s'agit là, dans cette délibération, de pouvoir mettre en œuvre une mise à disposition d'agents en direction de la SPL qui a sollicité la ville pour pouvoir faire en sorte que certains des agents, sur la base du volontariat évidemment, puissent assurer la sécurité électrique du bâtiment Palais des Congrès lors de certains événements. Il est nécessaire donc d'instaurer une procédure de mise à disposition des agents, comme on le fait déjà avec d'autres collectivités, pour faire en sorte de mettre à disposition ces agents, je le rappelle, sur la base du volontariat. Les coûts engagés seraient bien sûr à la charge de la SPL qui recevrait une facture de la part de la ville. La ville du comité technique de la commission ressources humaines a été recueilli également, avis favorable à l'unanimité. Donc vous remarquerez, il faudra noter que monsieur Auchan est sorti et ne participe ni au vote ni au débat. Y a-t-il des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant concernant RIFSET et je demande à monsieur Auchan de revenir. Concernant le RIFSET, il s'agit là d'une modification de la délibération antérieure du 7 décembre 2017 pour deux points de droit et surtout lié à l'évolution du droit. L'évolution du droit, premièrement, sur l'intégration de l'indemnité de responsabilité de régisseur dans le calcul de l'IFSE. Le RIFSET, en son temps, est un mécanisme qui a englobé la totalité des anciennes indemnités et à l'époque, en 2017, il avait été choisi à l'époque de laisser l'indemnité de régisseur à l'extérieur du système RIFSET. Et donc là, simplement, on la réintègre. Ça ne change absolument rien pour les agents. C'est simplement, au lieu d'être versée de façon annuelle, elle va être versée de façon mensuelle dans le cadre de l'IFSE. Ça, c'est la première modification de droit. Deuxième modification de droit, c'est au niveau de la modulation de l'IFSE qui fait des absences. Première modification concerne les agents en congé de longue maladie, longue durée ou de grave maladie. Dans la délibération initiale, il avait été prévu de façon généreuse par la ville de l'époque de faire en sorte que cet IFSE soit redescendu à 50% dès le premier jour. Or, cette disposition n'est pas réglementaire. Il convient donc de remettre cette disposition au niveau réglementaire par rapport à l'évolution du droit. C'est de faire en sorte que donc cet IFSE soit redescendu à zéro quand les agents sont absents pour longue maladie et longue durée, mais que ce zéro n'intervienne qu'à partir du moment où on est requis l'avis du comité médical.
pendant toute la période précédente, ça sera le système de maladie ordinaire qui s'appliquera, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, comme dans ces discussions qu'on a eues, on a réuni le comité, le COPIL RIFSEP, qui nous accompagne depuis 2017, hein, qu'on réunit régulièrement pour faire évoluer ce RIFSEP dans ses points de détail, il nous a été sollicité par les agents, ce qui n'a rien à voir avec le sujet que j'ai évoqué, de voir s'il était possible de rendre un peu moins drastique la règle qui avait été fixée en 2017, à savoir pour un agent congé maladie ordinaire, pendant les 15 premiers jours, il garde 100% de son IFSE, et ensuite, dès le 16e jour, il perd la totalité de son IFSE. Et donc, ce qui a été acté dans toutes ces discussions, c'est que dans cette nouvelle délibération, il garderait toujours jusqu'au 15e jour ses 100% de IFSE, mais à partir du 16e jour, au lieu d'avoir 0, il passerait à 50%. Ce mécanisme, de toute façon, n'a pas d'implication très forte au niveau financier pour la ville. C'est plus symbolique au niveau financier, même si ça en a une, évidemment, parce que de toute façon, le nombre d'agents en congé maladie ordinaire dans notre collectivité est quand même très faible par rapport à d'autres collectivités où les taux d'absentéisme sont bien supérieurs à ceux de la ville de Vittel. Voilà pour tous ces mécanismes concernant. Alors évidemment, ces dispositions ont eu donc l'avis du comité de pilotage REMSEP qui a été réuni plusieurs fois en début d'année, l'avis du comité technique qui a été réuni très récemment et l'avis de la commission ressources humaines. Et pour toutes ces instances, on a requis un avis favorable à l'unanimité. Merci Patrick. Je pense que tu le connais par cœur, cette délibération maintenant. Y a-t-il des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Dernier point qui concerne les RH, toujours Patrick. Là, il s'agit, dans cette délibération-là, en amont d'une réforme de la fonction publique territoriale, mais c'est aussi hospitalier d'ailleurs, et territoriale, et fonction publique d'État. Donc c'est la fixation de la composition du comité social territorial. Le comité social territorial, c'est une nouvelle instance qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2023, qui va regrouper les deux instances que sont le comité technique et le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail en une seule et même instance, qui s'appellera donc le comité social territorial. Cette nouvelle instance sera désignée et élue plus exactement grâce aux élections professionnelles dans toutes les fonctions publiques hospitalières, territoriales et d'État qui auront lieu le 8 décembre 2022, donc dans toute la fonction publique. Va donc être créé un nouveau comité social territorial et donc en amont, comme la procédure le prévoit, on doit déterminer les conditions dans lesquelles ce comité social territorial va exister à la ville de Vittel puisque le décret qu'il a mis en place prévoit plusieurs possibilités. Ces possibilités ont été négociées et discutées avec les organisations syndicales de la ville et on en a abouti donc à la proposition que le conseil municipal pourrait être appelé à décider que donc le fonctionnement du CST serait commun, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement pour le comité technique et le CHSCT, commun à la ville et au CCAS. Petit 2, ce serait de fixer à 4 le nombre des représentants titulaires et de représentants suppléants de la collectivité personnelle dans ce CST. C'est d'ailleurs le nombre actuel du comité technique du CHSCT. De maintenir le paritarisme numérique, c'est-à-dire qu'il y ait autant de représentants également de la collectivité, ce qui n'est pas obligatoire. Faire en sorte qu'il soit un nombre égal de titulaires et de suppléants, de décider aussi qu'il n'y ait pas de formation spécifique à ce comité ou de formation spécialisée de services ou de sites, sachant que ça n'obère pas la possibilité pour les représentants syndicaux qui siègent au CST de faire des formations à titre syndical. Mais simplement, ce ne serait pas la ville qui les porterait. De décider également, c'est aussi une disposition qui doit être actée, qu'à chaque fois qu'on demandera l'avis des représentants des agents, de façon systématique, on demandera également l'avis des représentants des collectivités à cette instance, parce que c'est pareil, le décret prévoit de le faire soit de façon systématique, soit pour certains sujets, soit pas du tout. Donc là, comme on le fait déjà aujourd'hui, au CT comme au CHSCT, on recueillerait l'avis aussi bien des représentants de la collectivité que des représentants des agents. Voilà les dispositions qui vont acter le futur fonctionnement à partir du 1er janvier de cette nouvelle instance. Là aussi, avis du comité technique, de la commission ressources humaines, avis favorable à l'unanimité. Merci Patrick. Y a-t-il des remarques? Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et point suivant qui concerne l'environnement.
et surtout, et je vais prendre la main, concernant la demande d'autorisation environnementale de la société Nestlé Supply Est, avec les modifications de volume de prélèvement des gîtes hydrominéraux à la fois A et B sur les bassins de Vittel, Contrexéville et de Langer, avec un avis du conseil municipal. Donc je vais vous faire un petit rappel historique, simplement que la société Nestlé Supply Est a déposé un dossier auprès de la préfecture et l'agence de l'eau qui concerne une demande de modification d'autorisation de prélèvement en eau dans le gîte A des bassins de Contrexéville, Vittel et Langer, et dans le gîte B des bassins Contrexéville et Vittel. L'objectif est de modifier la répartition par ouvrage sans changer le volume global sur ces deux gîtes, je précise. Donc pour faire simple, il est demandé sur le gîte A de la part de Nestlé pour préserver justement, mais c'est le point suivant, ils sont très liés, le gîte C, de maintenir au gîte A une autorisation à 902 280 m3 dans 9 forages, et dans le gîte B, de maintenir 1 706 800 m3 dans 19 forages. Parallèlement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le volume autorisé sur le gîte B serait donc diminué lorsque le forage sur Yeovil 4 serait rétrocédé à une collectivité, en l'occurrence la ville de Vittel, vous le verrez dans le point suivant, avec un volume attribué pour mémoire sur ce forage de 96 360, sachant qu'il y a eu des études qui ont été faites sur ce même forage et qu'on arrive à des simulations raisonnables en volume de 350 000 m3 par an. Pour faire simple, la ville de Vittel en elle-même est autour de 600 000, donc plus de la moitié. Et la société Nestlé Waters a donc anticipé cette rétrocession et prouvé que même à ce niveau, le cumul des prélèvements de Nestlé Waters Sud-Est et collectivité est compatible avec la recharge du gîte B, y compris en prenant en compte le changement climatique. Donc il est demandé, compte tenu de tous ces éléments, à la collectivité de prendre position et donner son avis sur cette délibération à la demande du préfet. Y a-t-il déjà des questions ou des observations? Pas de questionnement? Pas d'observation? Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention et un vote contre. Deux abstentions? Non. Ah, excusez-moi, oui. C'est pas M. Novian, c'est M. Forquignon qui est une procuration de Mme Zay. Excusez-moi, M. Forquignon. Deux contre et une abstention. Point suivant qui concerne le projet de rétrocession du forage de Suriovic 4. Donc, je ne sais pas si tu feras passer le dossier. On a demandé à la TD 88 de bosser d'ailleurs sur la possibilité de boucler par rapport à Suriovic 4 au niveau des réseaux de la ville. Donc, pour faire simple, le protocole d'engagement volontaire signé en fin d'année 2020 engage notamment la société Nestlé Waters et la ville de Vittel dans un projet de rétrocession de forage. Souvenons-nous que c'était un protocole volontaire, signé un 24 décembre pour mémoire 2019. Il mentionne également la mise en œuvre d'une interconnexion de sécurisation des réseaux, justement pour un petit peu soulager le gîte GTI, et qui impose une réduction des volumes prélevés dans cette fameuse nappe des GTI. Nappe dans laquelle l'intégralité de l'eau distribuée aux abonnés vitellois est pompée actuellement. La ville de Vittel a engagé dès la fin de l'année 2020 des discussions avec Nestlé dans ce sens. Donc il y a deux forages qui ont été fléchés, qui puisent de l'eau dans la nappe du Muschelkalk, pouvant être rétrocédés à la ville de Vittel pour un volume pour chacun, je précise, qui peut monter jusqu'à 350 000 m3 par an. Ce volume permettrait à la ville de transférer une partie de ses prélèvements d'eau de la nappe des GTI vers la nappe du Muschelkalk, donc vers le gîte B. Le forage de ce nommé Suriovil 4 est un ouvrage récent qui a été implanté sur la commune de Suriovil. Le forage nommé Source Galien, qui serait abordé sur un autre, dans un autre volet, pas tout de suite, est quant à lui situé en centre-ville de Vittel et nécessite des études complémentaires. C'est pour ça qu'on, pour l'instant, on ne s'engage pas sur sa capacité, notamment maximum de production, avant d'engager des démarches de rétrocession le cas échéant. Je précise aussi que cette source galien est potable, à l'inverse de ce que j'ai pu entendre ailleurs, puisqu'elle est dans le périmètre de la non-potabilité
quand on regarde les courbes, est au-delà et pas en deçà du lieu de cette source. C'est important de le dire aussi. Donc on attend des résultats quand même de ces études, et la rétrocession est engagée en deux étapes, dont la première concerne donc ce que je vous disais, que sur Yeovil 4. Donc il y a une lettre d'intention de rétrocession qui a été envoyée le 8 décembre 2021. L'ECE Water s'engage à céder le captage dans les conditions suivantes: cession d'ouvrage dans un périmètre approché autour de l'ouvrage, qui correspond au bâti aux alentours immédiats sur 5 mètres autour du bâti, donc cession de la canalisation mise en place jusqu'à la limite de la parcelle, servitude de passage non exhaustif sur le chemin existant afin d'accéder au forage, pour l'euro symbolique, hein, je précise aussi, après avis favorable de la commission fluide réunie le 24 mai 2022, le conseil municipal est appelé à décider d'accepter la rétrocession de ce sur Yeovil 4, la ville de Vittel, dans un premier temps. Cette acceptation permettra à la ville d'initier les démarches d'autorisation de ce forage au titre du Code de l'environnement au Code de la santé publique. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? L'objectif étant, vous avez compris, de limiter notre pompage maintenant fortement sur le GTI, puisqu'on est en capacité peut-être de diviser par deux le volume prélevé sur le GTI. Y a-t-il des remarques, des observations? Donc je précise aussi que l'agence de l'eau et l'État au sens large qui est très actif sur le dossier. Et voilà, il y a des rencontres qui sont faites notamment sur la partie financière avec l'adjoint aux finances, et qu'il y aura un partenariat assez fort à ce niveau-là, avec un reste à charge pour la connexion qui ne sera pas énorme quand on compare d'autres dossiers de telle envergure. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Point suivant, qui concerne le syndicat mixte d'assainissement non collectif, c'est Daniel ou c'est moi? C'est moi. Donc, adhésion des communes à la compétence obligatoire, adhésion des communes à des différentes compétences à la carte, avec une retraite de collectivité, donc il y a plusieurs points. La demande d'adhésion à la compétence obligatoire contrôle, et ça concerne les communes de Ramonchamp, de Longchamp-sous-Châtenois, qui ont demandé leur adhésion à la compétence obligatoire contrôle du syndicat mixte d'assainissement non collectif des Vosges. Donc le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion des collectivités susnommées à la compétence obligatoire. Qui est contre? Qui s'abstient? L'adhésion de collectivités à des compétences dites à la carte. Alors pour mémoire, il y avait deux choses: soit la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, ou la deuxième chose, c'était l'entretien des installations d'assainissement en non collectif. Par délibération, les communes ci-après, qui sont Ingeville, Chandray, ont choisi les compétences 1 et numéro 2. Ramonchamp, Médonville et Urville ont choisi la compétence numéro 1. Et la communauté de communes de Rambervillers a choisi la compétence numéro 2. Le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion des collectivités comme défini ci-avant. Est-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Et enfin, une demande de retrait qui concerne le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement des côtes de la RUP, qui a demandé son retrait au SDANG pour le motif d'une création de son propre SPANG intercommunal, suite à la décision du refus du retrait du comité syndical du SDANG lors de la séance du 7 décembre 2021. La présidente du dit syndicat a apporté des explications complémentaires, a fourni le règlement de service du SPANG et a sollicité une nouvelle décision du comité syndical sur sa demande de retrait. Par délibération, le comité a approuvé cette demande et le conseil est appelé à décider d'accepter les demandes de retrait du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement des côtes et de la RUP. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et après les réseaux d'assainissement, nous allons passer à la société publique locale XDMAT avec l'intervention de Christian Grégoire. Merci, monsieur le maire. Donc, un formalisme toujours récurrent tous les ans. Donc, globalement, XDMAT, vous connaissez le service maintenant, ça permet l'envoi et le contrôle de la légalité des actes administratifs dont dispose la mairie. La société publique locale dénommée SPL XDMAT a été créée en février 2012. Donc, par délibération du 29 juin 2017, le conseil municipal a adhéré à cette société.
ainsi que les départements qui sont la Haute-Marne, l'Aisne, la Meuse et les Vosges. Donc fin avril 2022, SPLX DMAT comptait 3025 actionnaires. Donc, conformément à l'article 225-100 du Code de commerce, l'Assemblée générale de la société doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente. Ainsi, depuis le premier semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités. Donc actuellement, 12 838 actions sont désormais réparties au sein des différents départements. Donc pour mémoire, le département des Vosges dispose de 381 actions, soit 2,97% de l'ensemble. Pour mémoire, on en avait 364 en 2020 et 234 en 2019. Concernant le conseil municipal, nous sommes chargés d'approuver cette nouvelle répartition ainsi que de donner pouvoir pour cette nouvelle répartition. Merci Christian. Y a-t-il des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. La motion concernant la résolution de l'association des maires ruraux de France avec les 100 mesures rurales. Comme vous savez, l'Association des maires ruraux de France a adopté une résolution contenant 100 mesures face à l'urgence territoriale. En appui à cette résolution, la feuille de route a été définie de 2022 à 2026 par rapport à l'association intitulée « La ruralité et la commune sont une chance pour restaurer la confiance et libérer les énergies ou l'énergie des territoires » qui retrace les propositions structurantes pour l'avenir, la défense de la liberté entre guillemets communale et le développement des territoires ruraux. Cet outil d'interpellation de tous les candidats aux élections législatives est aussi un outil pour chaque maire d'ajouter sa voix à la mobilisation générale des élus ruraux pour se faire entendre sur des sujets clés et majeurs pour l'avenir des communes et du monde rural. Le conseil municipal est appelé à décider de soutenir l'ensemble des contenus de la résolution ci annexée et d'adopter en assemblée générale l'association et adopter en assemblée générale de l'association des maires ruraux de France. Y a-t-il des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, Bernard Novian s'abstient. Monsieur Bernard Novian. Point suivant qui concerne la communication des décisions prises par le maire conformément à la délibération du 25 mai. Vous avez un listing comme classique avec les sessions, les sections liées à l'aliénation de commerce. Les fonds artisanaux et beaux commerciaux et tout l'ensemble des contrats qui ont été passés sur ces derniers mois, trois derniers mois. Bon, point suivant qui concerne les questions diverses. Je n'ai pas reçu de questions diverses. Par contre, j'ai deux points d'information et Patrick, par devoir de transparence, vous fera aussi une petite observation et un point d'information sur DRH. Concernant déjà des subventions que la ville vient de percevoir, la ville, de la part du conseil départemental et de la part de Guylaine Jandel, Jean-Pierre, qui est ma collègue vice-présidente déléguée à l'enfance et à la famille et à l'autonomie, a décidé d'octroyer une subvention de 13 500 euros pour les goûters pratiques seniors. Elle est où, Sylvie? Je suis là. Voilà. Et le conseil régional a décidé d'octroyer, et il faut remercier Patrick Floquet qui a porté ce dossier, pour 20 000 euros le plan régional de soutien des collectivités aux usages numériques, notamment à l'extension d'un système de vidéoprotection au sein de la commune de Vittel. Ce qui n'est pas neutre dans nos finances, l'objectif étant d'aller chercher le LAPI, oui, acronyme d'où LAPI. Donc l'objectif est d'aller chercher le maximum de subventions pour avoir le minimum de reste à charge pour la collectivité, comme vous l'avez compris. Patrick, c'est à toi. Juste un petit point en matière de transparence, parce que c'est un sujet qui a été évoqué il y a très longtemps, il y a plusieurs années même. Et donc il est normal qu'on en assure la transparence. Il y a déjà quelques temps, donc c'était il y a deux ans maintenant, l'ancien directeur des services techniques a quitté la collectivité et a engagé une action en justice contre la ville de Vittel concernant les conditions de son départ sur plusieurs sujets qui ont été donc adressés au niveau du tribunal administratif après une procédure un peu longue, comme toujours au tribunal administratif. Le tribunal administratif a clairement rejeté toutes les demandes
de l'ancien directeur des services techniques, qui évidemment peut interjeter appel prochainement. Et pour ceux qui veulent des détails particuliers, ça a été évoqué en commission ressources humaines, où on a pu rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais s'il y en a qui veulent avoir des renseignements supplémentaires, voire la copie de l'acte concernant cette affaire du tribunal administratif, évidemment, je le tiens à leur disposition. C'est d'ailleurs une lecture très intéressante par rapport à cette affaire. Voilà ce que je voulais simplement dire concernant ce sujet par toute transparence. Évidemment, il y aura peut-être des épisodes complémentaires en cas d'interjection. Appel. Merci Patrick. Eh bien, écoutez, on a bien travaillé puisqu'on a fait quand même en un peu plus d'une heure dix ce conseil municipal. Rendez-vous donc au mois de juillet, début juillet, jeudi prochain, pour des nouvelles qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, je tiens tout de suite à remercier la commission délégation de services publics qui a été exemplaire sur ce dossier-là. Toutes les composantes qui ont assisté à ces réunions, il y a eu plusieurs réunions, et c'était assez constructif. J'ai bien dit tout le monde. Je vous remercie et bonne soirée.